Salut tout le monde, c'est Spectrolo, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et oui, on se retrouve pour le Let's Play de Pokémon version Soul Silver en mode Nuzlocke Challenge. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 3. Et ouais, je prends ma manette et on commence tout de suite. Par contre, il faut que je clique juste sur ce petit bouton, sinon ça va pas marcher. Voilà, je pense que là c'est parfait. Par contre, il y a des problèmes d'image. Enfin, je crois que c'est à cause du soleil. Voilà. Allez, c'est parti, on continue ce let's play parce que vraiment j'avais envie de continuer ce let's play. Donc on est à l'épisode numéro 3. Donc je vais vous faire voir un petit peu la situation de mon équipe les amis. Donc on va regarder un petit peu avec le clic de la souris. Donc vous voyez que je pense que je vais bientôt me soigner, sinon je pense que ça va être la fin. Donc on va se soigner tout de suite. Donc je vais essayer de run un maximum, sachant que j'ai commencé à avoir des... Ah oui, à savoir que j'ai déjà vu quelques bugs qui étaient assez chiants. Donc des bugs de pixels qui se barraient. Donc des fois j'étais en noir et blanc, j'ai pas compris pourquoi. J'espère que ça va pas faire ça, sinon ça va un peu me saouler. Vu que c'est de l'émulation, donc c'est pas énormément stable, même si j'ai un bon PC. Donc voilà. Donc on va capturer un nouveau Pokémon dans l'entre-noir tout simplement. Donc je voulais voir combien il me restait de Pokéball avant. Il me reste 2 Pokéballs, ça va être limite je pense. Donc écoutez, je pense que je vais prendre Caminus et puis on se lance dans cet entre-noir. C'est assez glauque. Ok, et on va voir qu'est-ce que c'est comme nouveau Pokémon. J'espère que c'est un Oserachi et c'est encore un Raikou. Donc soit je le capture, ou soit je le capture pas et je prendrai le prochain Pokémon que je rencontrerai. Donc à savoir un autre Pokémon. Je pourrais très bien capturer ce Pokémon, mais j'ai le choix entre avoir un doublon, donc le même Raikou que j'ai déjà capturé dans une autre zone, ou alors choisir le prochain Pokémon que je vais avoir qui n'est pas un Raikou. Voilà tout. Donc on va voir un petit peu si je peux avoir un bon Pokémon ou pas, ou une grosse merde. Et c'est un Nosferatu, une femelle, encore une fois une femelle niveau 2. Et ben pourquoi pas. J'ai vu que vous êtes vraiment très très actif sur ce nouveau let's play. Donc vraiment un énorme remerciement à vous. Plus de 50 commentaires sur l'épisode numéro 1. Donc vraiment un énorme remerciement à vous. Vous êtes vraiment fantastiques les amis. Et on va essayer de capturer ce Nosferatu. Donc j'ai peur de le tuer. Donc je vais prendre un autre Pokémon. Je pense que je vais prendre Galius. Et je vais faire un charge. Ou alors je me soigne éventuellement et on va voir. Alors vampire. Vampirisme, ça je crois que c'est ça, c'est chiant ça. Non, encore ça va, ça pouvait aller, ça pouvait être pire. Donc je vais faire charge et après je vais essayer de... Ah merde, il est rapide. Là, faut pas que ça soit trop rapide non plus hein. Écoutez, on va essayer de faire un charge sans le tuer éventuellement. Stop. Et c'est un coup critique, donc je ne peux plus capturer de Pokémon dans cette zone. Merci Galius. Au moins, il a fait un coup critique, c'est cool. Dommage. Tant pis, c'est comme ça, vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Donc, si vous voyez, il y a des effets de lumière, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer de régler ça dans le prochain épisode. Excusez-moi si ça vous saoulerait de voir un espèce de lumière plutôt flash d'un seul coup. Enfin, je sais pas. On verra. Et alors, moi, je vais me rendre au centre Pokémon parce que on ne sait jamais. Parce que sinon je serais un petit peu dans la merde, il faut le dire. Même si j'ai quelques potions, mais bon, je préfère me soigner éventuellement pour avoir moins de frayeur possible. Allez, on continue. Alors, j'aimerais me soigner, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, ça va être trop bien, ouais. Wow, merci. Ça te fera 50 euros. Ah ouais. Non, je plaisante. Ah, je suis vraiment content de continuer vraiment ce let's play, parce que... il y a Chrono actuellement qui est encore en train de jouer à ce jeu hors caméra et qui m'avait dit qu'il avait pas mal, il avait du mal dans cette nouvelle aventure de Soul Silver. Lui il fait pas en Nuzlocke Challenge, mais lui il fait en simple et il avait un petit peu de mal. Donc quand il m'a dit qu'il avait un petit peu de mal, moi je me disais alors moi je vais être dans la merde parce que je vais me faire démonter, mais on verra bien.
Donc là, wow, une magnifique one shot de Enchi, donc de Nutty Tough, et qui monte 24 points d'XP. Et je pense que je vais XP surtout Galius, car Galius est un élément indispensable pour la première arène qui est de type vol, il me semble. C'est le premier champion d'arène, donc c'est de type vol. Voilà tout. Donc je vais essayer d'XP. Enfin, je veux pas trop XP, comme je vous ai dit. Ah, elle est magnifique, ce bouton. J'aurais bien aimé avoir ce Pokémon, mais j'ai pas réussi tout simplement. Tant pis. C'est dommage, hein, parce que Outwood ça pouvait être un très bon Pokémon. En plus de type vol et psy, je crois. Ouais, je crois que c'est vol et psy. Non, c'est vol. Ouais, c'est vol et psy, si je me trompe pas, c'est vol et psy. On va voir. Voilà, c'est nickel, les amis. On va réussir à tuer ce Houssout et de toute façon il me fait pas vraiment mal, donc c'est pas mal. Et je vais peut-être monter au niveau 6, et oui, niveau 6, je monte au niveau 6 et je gagne de HP. Bon, c'est pas... enfin, il monte pas beaucoup d'attaques spéciales, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, voilà, c'est pas grave, on sait jamais. Oh, tant pis, et je vais peut-être prendre de l'eau au cas où. Très bientôt, parce que voilà, j'ai presque plus de voix, parce que j'ai la grippe actuellement, donc voilà. Donc charge. Ah oui, à savoir que je vais essayer d'avoir un autre Pokémon, donc ça sera la tour Chutiflore. J'ai une chance d'avoir soit un Rattata ou un Fantominus, les amis. Et oui, un Fantominus, putain, ça me ferait vraiment kiffer ça. Et si j'ai un Fantominus, j'ai gagné le bug. Franchement, je kifferais avoir ce Pokémon. Imaginons, il est shiny. Oh là là, ça sera encore davantage jouissif. Voilà, je gagne encore 24 points d'XP et il va peut-être monter au niveau 7 et non, pas pour le moment. Voilà. Et on va essayer de run parce que tout simplement j'ai envie de faire la tour Chutiflore, les amis, parce que j'ai envie d'avancer dans le périple Pokémon Soul Silver mode de Dr. Age. Voilà tout. Galus, on va faire charge sur un Rattata, il va me faire Mimikyu, mais ça ne sert strictement à rien parce que moi, bon, Galus c'est un ouf. Il va peut-être le one shot, on va essayer. Et ben non, donc on va encore continuer à spammer le charge tout simplement. Je vais bientôt prendre de l'eau comme j'ai dit parce que j'ai vraiment soif. Alors la bouteille de l'eau. Merde, j'ai fait écraser mon fil de casque. Voilà. Alors normalement vous n'aurez plus aucun problème de décalage parce que à l'épisode numéro 1 et j'ai toujours pas fait le montage de l'épisode 2 du Nuzlocke, donc j'espère qu'il n'y aura pas de décalage, c'était même pas un décalage de une demi-seconde, mais bon voilà, je voulais que ça soit limite parfait comme ça sera dans l'épisode 3, normalement il n'y aura aucun décalage, mais après on sait jamais avec Camtasia Studio, on sait jamais, il y a toujours des bugs qui peuvent arriver à tout moment, donc bon, faut faire attention, voilà. Je vais voir un peu loin. Ah oui, tout le temps, on va spammer. Mais j'avais soif. Voilà. Bon, alors, c'est nickel. Ouais, voilà. Donc, mais j'ai remarqué que dans mon équipe, là, j'ai que des Pokémon femelles. Je sais pas. Pourtant, je pense qu'il n'y a pas énormément de filles qui regardent ce let's play, je pense. Peut-être que je me trompe, hein. Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de personnes masculines qui regardent surtout les let's play que je fais actuellement. Mais voilà, s'il y a des filles, ben, dites-le dans les commentaires, ça serait sympa et comme ça je vous renommerai. Voilà. Ah, faudrait déjà que je capture un Pokémon. Hein. Voilà, j'ai trouvé une potion, c'est super, je suis content. Je ne sais pas si je lui ai parlé à l'épisode de. L'épisode précédent. L'entre-noir, si j'avais un Pokémon avec une capacité qui éclairait les environs, je pourrais l'explorer. Ah, je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas parlé, tout simplement. Force de marche. Pour trouver des Pokémon, je suis épuisé. J'ai sommeil. Si j'étais un Pokémon sauvage, serait facile à capturer. Alors, à savoir, normalement, il faut qu'on lui donne une lettre ou un piafabec. Et vous donnerez la CT44 repos, il me semble. D'après ce qu'on m'a dit sur Skype, on m'a dit que c'était ça, donc peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, je sais pas, faudra tester. Si éventuellement j'arrive à capturer un Piafabec. Hein. Ouh, une Pokéball, pas mal ça. On va essayer de le tuer. J'ai attrapé plein de Pokémon, on va pouvoir faire un Bokoma. Ouais, on va voir. Hein. C'est bizarre, pourquoi il y a du soleil comme ça là, c'est...
Ça c'est chiant. Ah, pour une fois qu'il y a du soleil en même temps. Oula, mais il est nul lui, niveau 2. Ça va être facile. Sécrétion, c'est rien, ça, franchement, c'est rapide. On va le tuer vraiment très très facilement, les amis. Ou pas. Ah non, eh, il est plus rapide que moi. Ouf, en PV, tu vois. Allez, vas-y, 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 one shot, one shot. Yes, c'est bon, c'est nickel. On monte peut-être au niveau 20. Eh ben non, je voulais dire niveau 28, non, niveau 8, ça. C'est bien bien. Alors, là, on va essayer. Oh non, sécrétion. Alors, je sais pas si on va faire la tour de Chetiflore et la reine éventuellement, mais pour le moment, ben, je vais voir comment ça va, comment je vais avancer, sachant qu'il. Ça fait déjà. Ça va faire déjà 11 minutes où j'ai rien foutu, c'est absolument bizarre. C'est épique même. Voilà, donc ça c'est parfait, je vais monter au niveau 8, donc je gagne. Je gagne combien là? Je gagne 2 points d'HP. Et je gagne un petit peu de. Ouais, en fait, il est overcheatant en défense et en attaque, donc cool. Ah, ouh, polyrush est plutôt intéressant, je crois que ça augmente la vitesse, il me semble. C'est ça. De toute façon, je vais XP Galus pour l'arène, donc je pense que je vais utiliser que lui, limite. A savoir que la tour Chetiflore, à ce qu'on m'a dit, il y avait des personnes qui utilisaient des Chetiflore. Alors là, faut que je fasse vraiment très très attention, sachant que je n'ai pas d'attaque de type roche et sachant que des attaques plantes sont efficaces contre des types roches. Donc, oula, attendez, attendez. Non, ben non. Ah, il m'empoisonne. Ouais, c'est pas bon ça. Ok, donc je l'ai battu, mais je suis quand même empoisonné, donc on va faire vraiment très attention de pas crever tout simplement. Et je souffre du poison et ça fait pas énormément mal. Et je pense que je vais changer de Pokémon. Et on va prendre. Et on va prendre Chrono, on va essayer Chrono tout simplement. C'est cool, c'est chiant ce soleil comme ça. Voilà. Alors, Chetiflore. Oula. Chenipan. Excuse-moi. Oh, en plus il rate ton attaque. Bravo Chrono, tu es une femelle et en plus tu rates ton attaque. Alors là il fait charge et puis il affiche que dalle. Il faut qu'il fasse attention. Ouais, bon, ça va encore une fois. Vas-y, vas-y, one shot Chrono, vas-y. Chrono, t'es un ouf, t'es le padré. On va voir ça. Donc actuellement Chrono, à ce qu'il m'a dit, il est à peu près donc à Ecorcia. Donc c'est la deuxième arène. Sachant qu'il s'est fait one shot la première arène, ce qu'il m'avait dit. Et après, il avait battu. Donc j'espère que je vais pas crever un seul de mes Pokémon, sinon ça me ferait extrêmement chier. Et pour l'instant, vas-y, Chrono, t'as un ouf et tu vas peut-être monter au niveau 3. Hein. Niveau 5. Oh, quoi qu'avec ça, non. Ouais, en fait, c'est pas mal du tout. Et je pense que je vais me soigner avec une baie ou. Ouais, non, on s'en fout. Non, mais me marcelle pas, toi. Marcelle pas, je veux pas que tu me donnes ton numéro. Non, je m'en fous. Les gens, ils vont t'harceler, en fait. Dans l'aventure, ils vont t'harceler, c'est chiant. Alors, sac. Je voulais un antidote. Bah, c'est cool, j'en ai un actuellement. Donc, on va pas trop tenter. Voilà, hop. Au moins, on est sûr d'avoir soigné ce Pokémon. Et au moins, on est sûr de gagner. Voilà. Donc, il y avait un Noigrume, j'avais pas fait attention. Un Noigrumier, donc ça va être. Ouais, j'ai pas fait attention. C'est un Noigrume noir. D'accord. Ok, ok. Allez, on continue. On va peut-être l'XP davantage parce qu'on essaye d'avancer à Mauville, il me semble. Ouais, c'est Mauville, ouais, c'est Mauville. Et on va faire le plein de Pokéball et de potions aussi éventuellement parce que je veux pas me faire empoisonner, je pense pas, donc. Useless, les antidotes, franchement, c'est usu. D'accord. Ça va, heureusement que Galus est très résistant, qui a une très très bonne défense également, et qu'il a fait le one-shot. Ouais, non, ça va encore. J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Ok, et en plus, je gagne 33 points d'XP. Et pas mal, bientôt niveau 9. Et qu'est-ce que tu veux, toi, t'es un dresseur? J'ai trouvé un bon Pokémon dans l'entre-noir, je vais l'entraîner pour battre le champion de l'arène de Mauville, Albert. Ouais, non, moi j'ai pas réussi à en capturer un, c'est ça le problème.
Donc on va sauvegarder au cas où parce que j'ai vu qu'il y avait des petits bugs des fois au niveau des pixels. Donc je pense que je vais sauvegarder au cas où, c'est juste de secours au cas où, on sait jamais. On va écraser les données, vous inquiétez pas. 1h36 déjà, c'est énorme ici, mais on est déjà à 15 minutes de jeu. Et ben j'ai toujours rien fait. J'ai toujours pas l'arène, c'est... Enfin bref, voilà tout, on enlève le petit clic et on va parler à la jeune personne. Salut dresseur, en voilà, tu vas défier un champion d'arène. Eh ben ouais. Ah, c'est qui? Ah, c'est Célesta, oui. J'étais sûr que c'était toi, t'es super rapide. Quand est-ce que tu m'as dépassé? Tiens, pour te récompenser, voici un cadeau. Le Magneto VS, ah, ça va être vachement utile parce que je suis sur émulateur, donc ça va pas me servir. Le Magneto VS te permet d'enregistrer les combats de Pokémon. Allez, je pars devant et cette fois, je resterai en tête. Allons-y, Marille. Marille! Attends, comment il fait? Marille! Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Et j'ai pas de bug, donc c'est cool. Ici, on prendra en soi du panorama urbain. Donc, on a changé les toitures du centre Pokémon et de la boutique Pokémon pour qu'elles se fondent mieux dans le décor. Alors là, je vais vous expliquer une petite astuce pour ceux qui veulent savoir. Je ferai une vidéo très prochainement pour expliquer cette personne. Alors cette personne est très très importante pour avoir des fonds sur des nouvelles boîtes. Alors quand je dis fonds de nouvelles boîtes, je vais expliquer un petit peu pour vous expliquer qu'est-ce que c'est ces nouvelles boîtes, donc ces fonds. Voilà, donc on va déplacer par exemple un Pokémon, imaginons. Et on veut changer le fond, voilà, on veut changer le fond, donc vous avez plusieurs fonds, forêt, ville, désert, savane, etc. Et après, au bout d'un moment, il y a des fonds, vous voyez, il y a 8 fonds, et en fait, ces 8 fonds, on peut les avoir qu'avec des codes, donc c'est pas des codes d'action replay, entre autres, mais c'est des codes générés par notre idée. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est l'idée? Je vais expliquer un petit peu. Excusez-moi, je vais remettre ce truc là, voilà. Alors l'idée, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Alors l'idée, c'est ma carte de dresseur, donc ici c'est l'idée. Donc c'est sur un site, donc ça s'appelle feed.2 Pokémon. Et grâce à votre idée, vous pouvez avoir des nouveaux fonds de boîte Pokémon et ainsi avoir 3 œufs. Donc j'expliquerai ça dans une vidéo pour avoir 3 œufs. Les 3 œufs sont l'Imagma, Watt et Axolotl pour ceux qui ne le savent pas. Donc comme ça vous pourrez avoir 3 Pokémon. Ça peut être pas mal pour mon Nuzlocke Challenge. Donc je pense que je vais les prendre éventuellement. Donc je ferai une vidéo très très prochainement pour vous expliquer comment je vais récupérer ces 3 Pokémon par ref ainsi que les fonds disponibles. Voilà tout. Donc je fais retour, voilà tout. Et on continue l'aventure. Donc c'est une personne très très sympa qui va vous aider à améliorer vos fonds et avoir 3 nouveaux Pokémon. Donc à savoir l'Imagma, Axolotl et Watt. Voilà. À savoir, je crois qu'ils sont soit à niveau 5 ou soit à niveau 1, je ne sais plus. Donc on verra ça. Ça sera la surprise tout simplement. Voilà. Alors cette personne est très importante ici également. Pas très importante, mais pour ceux qui font du online, donc du Wi-Fi. Cette personne peut changer le style de dresseur préféré, donc c'est à dire que il peut vous donner Kinetisk, Windmania, Richard, Karateka, etc. Donc voilà, si vous voulez être un Karateka, vous cliquez dessus et ensuite quand vous allez dans la salle Union, vous pouvez voir votre personne en Karateka, Windmania, etc. Voilà tout. Voilà, ça c'était pour expliquer cette petite nouveauté, entre autres. Nouveauté surtout pour Feed.2 Pokémon, je ferai la vidéo, vous inquiétez pas. On raconte qu'il y a des fantômes la nuit dans la tour Chétifleur, et puis quand on les combat avec des Pokémon, les attaques de titre normal ne leur font rien. Et je pense qu'on va... On va pas s'arrêter là, tout simplement, parce que je veux un Fantominus ou un Rattata, mais je pense qu'un Fantominus serait l'idéal. Mais avant, on va rentrer dans cette maison. Alors, cette personne est très très utile, un Pokémon échangé grandit plus vite qu'un Pokémon attrapé, mais si tu n'as pas cette balle, il risque de ne pas t'écouter. Alors, cette personne est très très sympa, donc si vous avez un Chétiflore, il vous donnera un Onyx, carrément un Onyx, et en plus, vu que le Pokémon sera échangé, il gagnera beaucoup plus d'XP, voilà. Donc il me demande, je télécharge contre un Onyx, voilà, je vous dis pas des conneries, voilà. Donc j'ai pas d'Onyx, donc je donne Chrono, voilà, non c'est pas vrai, hein. Il veut juste un Chétifleur contre un Onyx.
Donc, si par exemple votre Chutiflore est par exemple niveau 1, vous aurez un Onyx niveau 1. Et si vous avez par exemple un Chutiflore niveau 83, et ben vous aurez un Onyx niveau 83. Voilà tout. Donc ici, c'est une école de dresseurs, mais il n'y a absolument rien. Donc ça sert strictement à rien d'y aller pour le moment. Ici, c'est l'arène. Donc on, je sais pas si on va faire l'arène tout de suite. On va aller dans la tour Chutiflore. Et j'ai dit aussi que j'allais prendre des Pokéballs au la boutique shop. Donc on va aller là. Oh putain, j'avais oublié encore ça. Désolé. Bienvenue. Pokéball, j'en ai acheté 8, hein, je suis en fou. Je prends 8 Pokéballs. Voilà, je prends peut-être des potions éventuellement quand même. On sait jamais, je prends 5 potions. Voilà, je m'équipe énormément. On sait jamais. Voilà. Donc il y a un autre vendeur, donc je sais pas ce qu'il nous vend, donc je vais voir un peu. Donc lettre mine, soit un ball. Donc soit un ball, c'est si par exemple vous voulez capturer un Pokémon. Attendez, alors soit un ball, je vais vous expliquer. Donc si vous avez un Pokémon que vous voulez capturer avec dans une zone rouge par exemple, vous utilisez la soit un ball, donc vous le capturez et après le Pokémon aura tous ses HP, donc en gros il sera soigné, voilà. Et filet ball, c'est pour les Pokémon du type eau et insecte, voilà, eau et insecte, j'avais raison. Ok, c'est super, j'ai pas dit de la merde, c'est nickel. Voilà tout, ok, donc je parlais à cette personne, on sait jamais. Pokémon peut obtenir des objets, mais ne savent pas de se servir de secrets par les humains comme une potion, un antidote. Et toi, tu me dis quoi, la vieille personne âgée? Ok, tu me dis de la merde, on s'en fout. Donc on continue. Et maintenant que j'ai des Pokéballs, eh ben on va essayer de capturer un nouveau Pokémon à la tour Chutiflore. J'espère que ça sera un Fantominus parce que j'adore ce Pokémon. Et je vais pas prendre Raikou tout simplement parce que les attaques de type normal n'effectuent pas sur des attaques Spectre, Ténèbre, etc. Donc on va prendre un... On va prendre NG, hein. J'espère que je vais pas le tuer, sinon j'aurai vraiment la rage. Parce que Fantominus, je kiffe ce Pokémon, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Imaginons, il est chromatique, ça sera encore meilleur. Tour Chutiflore, donc on va essayer de capturer un Pokémon. Y'a pas de Pokémon là? Je croyais qu'il y avait des Pokémon ici. Attendez. On raconte que le plier central de la tour était à l'origine d'un Chutiflore de 30 mètres. Ouais, Dieu, le pilier oscillé, les moines s'entraînent dur là-bas. D'accord. La tour Chutiflore a été construite il y a longtemps pour s'entraîner avec les Pokémon. D'accord. Celle arrivant au sommet de la tour recevra une formidable capacité. D'accord, mais moi je veux un Pokémon. Donc, tour Chutiflore, je ne sais pas ce qu'il y a comme Pokémon, mais j'espère qu'il y a un Fantominus ou un Rattata. Et qu'est-ce que c'est? J'aimerais trop un Fantominus. C'est une blague. Je vous promets, c'est une blague. Et pourtant, je joue la nuit, donc je joue à peu près à 19h-20h pour rencontrer un maximum de Fantominus. Là, c'est pas un Fantominus, donc ça va vraiment me saouler. Je suis vraiment dégoûté. C'est pas un Fantominus. Là, je crois que je vais vous le rabattre à chaque épisode. C'est pas un Fantominus que j'ai eu à la torche du fort, t'as compris? Putain, je suis dégoûté. Ouais, je vais te tuer, tu vois. Non, je plaisante. Encore une femelle. C'est pas possible. J'ai que des Pokémon femelles, c'est... Waouh. Ok, on va essayer de lancer une première Pokéball, je pense qu'on va le capturer vraiment facilement. Je pense qu'il va pas me saouler parce que j'ai pas une Fantominus. Voilà, ouais. Et nous avons capturé un Rattata niveau 3. Et comment je vais l'appeler? Eh ben, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont demandé des surnoms, donc je vais commencer par des surnoms que des personnes m'avaient demandé rapidement. Et en premier, donc ce sera. Je suis sûr que ça va le saouler, c'est ça qui est marrant. Alors c'est. Et ouais, ça sera des RK.
Donc c'est un youtubeur Pokémon qui fait des très très bonnes vidéos, donc je vous conseille sa chaîne. Également Chrono, etc. Galou, Senshi, tout ça. Voilà. Voilà, ça sera DRK. Farouk, qu'est-ce qu'il me veut, Farouk? Alors, on va lire ici, excusez-moi. C'est Farouk encore debout. L'autre jour, j'ai battu un auto, personne n'a réagi. Bah, pas grave, c'est qu'on doit être trop fort, à plus. À quoi ça sert? Le mec, il vient me parler pour rien. C'est un truc de fou. Ok, bah, j'ai capturé un Pokémon, c'est super, hein, franchement. Ratata. Un très bon Pokémon que je vous recommande dans un Nuzlocke Challenge, et c'est pas en Fantominus. Et ouais. Donc les amis, ça fait déjà 25 minutes, donc qu'est-ce qu'on peut faire direct maintenant tout de suite? Et je pense qu'on va commencer déjà l'arène, hein, voilà, j'avais envie de faire l'arène comme ça. Et peut-être l'épisode prochain qu'on fera, ça se trouve je ferai pas l'arène. Et oui, peut-être je ferai la tour Chotiflant. Mais vu que Raikaiou c'est un Pokémon de type roche, si j'ai une attaque roche, ça va être vraiment easy pour le l'arène, voilà. Salut futur maître, tu es ici pour défier Albert, le champion de cette arène, vas-y fonce, devrais-je dire. Mais attends un instant, il y a dans cette ville un lieu d'entraînement, la tour Chotiflan. Si tu n'as pas surmonté ces épreuves, tu ne dois pas encore être capable de te mesurer un champion. Ça je savais pas. T'es sérieux? Non. T'es sérieux? Oh non, je veux plus te parler. Non. Non, j'ai compris, mais on va s'arrêter là. C'est bizarre, je savais pas. Écoutez, voilà. Ok, c'est cool. Il ne faut pas entrer avec son Pokémon dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Les bâtiments et les grottes. Tu dois le faire entrer dans sa Pokéball! Ouais, non, mais moi, il m'aime bien, tu vois. C'est comme Pikachu dans l'anime, en fait. Il veut pas m'écouter. Donc écoutez, je pense qu'on va capturer un nouveau Pokémon et on va s'arrêter là les amis parce que ça va faire 26 minutes 56, même les plantes sont vivantes parfois ils peuvent même bouger. Ah ouais? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un qui venait de double en ville. Eh ouais. Route 36, donc c'est une nouvelle route, un arbre étrange bloque le passage vers Rosalia. Je suis bloqué ici si seulement quelqu'un pouvait faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle parle comme arbre? Cet arbre, c'est un arbre. Un peu difforme. Ouais, je sais pas. Voilà. Et lui, il veut quoi, lui? Salut, ça t'est sans doute déjà arrivé d'avoir des rochers en travers du chemin qui te bloque le passage, bien sûr. Que ça t'est déjà arrivé, ça tombe bien parce que je vais te donner une... La C06, ça va être vraiment pas mal, je pense. Et en plus, je savais même pas comment l'avoir, donc ce qui est plutôt intéressant. J'ai eu un bug de l'iPhone 4S, j'avais plus d'assez d'espace pour la caméra, donc j'étais obligé de faire du tri pour que vous voyez ma gueule. Voilà. Donc si j'ai le badge, je pourrais utiliser Éclatroc, donc ce qui est plutôt intéressant. Et il y a une personne qui s'appelle Farouk qui veut m'appeler, et je pense qu'on va se laisser là, les amis. Parce que ça va faire pas mal de temps qu'on tourne, voilà. Bonjour Spectre, bonsoir Spectre, c'est Farouk encore debout. L'autre jour j'ai vu un auto de sauvage, je pensais l'attraper, mais je me suis loupé. C'est pas trop grave, mais bon, attraper c'est pas mon truc. C'est juste pour ça qu'il veut me dire ça. C'est pas terrible, hein. Enfin bref les amis, j'espère que... de toute façon on va s'arrêter là les amis. Donc j'espère que tu as aimé cet épisode, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la suite de ces vidéos, en tout cas tu peux liker la vidéo si tu as aimé, tu peux aussi mettre un commentaire pour me donner des astuces ou savoir si tu as aimé, et tu peux aussi éventuellement t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre Let's Play de Pokémon Soul Silver Mode Nuzlocke Challenge, ainsi que mes Let's Play quotidiens, ainsi que le projet Pokémon Dark Destiny les amis. Et oui, Pokémon Dark Destiny, un jeu que je suis en train de créer sur RPG Maker XP avec l'aide de plusieurs personnes. Rejoignez le forum de Pokémon Dark Destiny, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire et profiter des news en temps réel. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la suite de ces vidéos. Les vidéos 1000 abonnés seront faites à l'occasion, comme je l'avais dit actuellement, que j'ai pas eu le temps de le faire, tout simplement. Et puis aussi la FAQ à 1200 abonnés, si on arrive à arriver à 1200 abonnés, il y aura la FAQ, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de questions que vous m'avez
commencé à me poser, voire beaucoup. Donc j'ai commencé à rédiger un peu toutes les questions que vous me poserez sur Fichier Word. En tout cas, merci d'être plus de 1000 personnes, enfin c'est plus de 1055 personnes, voire plus maintenant. Donc ça me fait extrêmement plaisir, donc un énorme remerciement à vous les amis. Et on se retrouve pour la suite de ce Let's Play de Pokémon version Soul Silver en mode Nuzlocke Challenge. Et on fera à mon avis, je pense, la tour Chutifort, voire peut-être l'arène aussi éventuellement. Peut-être ça sera un épisode plutôt long, ou peut-être court, je ne sais pas en fait. Si j'ai le temps, je vais faire un épisode plutôt long. Voilà. Merci à tous d'être plus de, voilà, 1060 personnes. Non, c'est 1055, je sais plus, je crois qu'on avait passé plus la barre des 1060. Enfin, ça fait encore plus plaisir parce que vous êtes plus de, vous êtes trop nombreux en fait. Vous regardez mes vidéos et je suis content que ça vous plaise tout simplement. Donc merci à vous, vous êtes vraiment exceptionnels. Allez, salut tout le monde et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Hey.